T'attrapes pas? Aïe. Ah bah c'est celui-là, il est gros. Ah, parce que sinon j'aurais tombé par terre. Je me rends vraiment compte, j'ai complètement exagéré, hein. Tu me diras, vous avez l'habitude, hein. Hey tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul qui était censé, normalement je devais le faire solo, mais ma demoiselle a voulu participer. Et c'est vrai que... bah ouais. Oh mais depuis tout à l'heure la fenêtre est ouverte. Let's go. Let's go. Tout ouvrir. Prépare-toi tes bras. Enfin, moi en fait le truc qu'il y a c'est que j'ai vachement plus de vêtements. Les pompes. Pourquoi tu fais des pompes? Pour préparer mes bras deux. Moi je me suis pris vachement de trucs. Emma moins. Emma est plus raisonnable que moi. Moi je te propose une Nini que tu ouvres. La redoute, hein. La redoute c'est que pour elle. Je crois que je me suis rien pris. La redoute. Et moi je vais ouvrir un sauce. J'aurais vraiment dû m'attacher les cheveux, Nini. Je me fais de l'air. Ça fait un petit moment que j'ai commandé, je sais plus ce que j'ai pris. Tu t'en rappelles? Tu t'en rappelles, c'est vrai? Oui. Premier article. T'as choisi des trucs, mais moi j'ai un petit peu rajouté. Comme d'habitude. Oh. Parce qu'elle, elle écoutait, se prend trois trucs et c'est bon, c'est réglé. Attends, Nini, on fait un haul ou pas? Oh, je sais pas, Europe, c'est une veste. C'est une veste, c'est moi qui. C'est vrai, tu l'adores, hein? Ouais. Vas-y, essaye-la. Ok. Moi, je sais pas comment en prendre. Moi, je vais mourir de chaud avec cette veste. Hein. Elle est trop jolie. Elle est très belle. J'aime beaucoup. Vas-y, j'ouvre un truc fleuri, moi aussi. Cette petite robe-là qui m'a pas l'air incroyable. Je vais l'essayer vite fait. Attention, magie du montage. Waouh! Merci, merci. Bon, attends, il faudrait que j'enlève mon soutif là parce qu'on le voit dessous, ça fait mon chien. Voilà, ça va mieux comme ça. Ben, je crois qu'elle est un peu grande, hein. Regarde. En 34, elle aurait été nickel, quoi. Pouah, je suis dégoûtée. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je la garde ou pas? Donne, donne. Je la donne? Oui, donne. C'est dommage parce qu'elle est jolie. Mais ouais. Ça va, dit, tu veux pas que je te pousse aussi? J'ai gagné! Ouh, ça, ça m'appelle, ça. Deuxième article. J'adore la texture. Oh oui, c'est vrai, cette robe. Je la trouvais trop belle. C'est des t-shirts, j'ai lui. Oui, c'est des lots de t-shirts. J'ai pas tous les... en plus. J'ai pas tous les essayés parce que... Ah non, non, mais ça, ouais, t'as pas besoin d'essayer presque. Fais comme tu veux. Non. Si t'aimes bas, tu mettras un mot. Allez, j'espère qu'elle va pas être trop grande. Hein. Moi, troisième article. Déjà, le haut, il est très joli. C'est pas le haut, je pense. Je crois que c'est une robe, je sais pas. Waouh, elle est trop belle, le bas et tout. Elle est belle, hein? Waouh. En plus, elle est légère, c'est bien ça. Bon, moi, je vais me cacher, hein, tout à l'heure, hein. Attends, mais je crois que la robe ne se met pas comme ça, c'est pas possible. Ou alors, elle est archi trop grande aussi. Qu'est-ce que c'est? Bon, bah, du coup, j'ouvre un nouvel article. C'est une jupe, ça. Ah, alors? Trop belle, elle me va pas du tout grande en plus. Attends, recule un peu qu'on voit. Trop belle, hein. Franchement, elle est super belle, cette robe, dit. J'adore. Quatrième article. Ben moi du coup je vais ouvrir notre truc, hein. À tout moment on peut voir mes tétous, non? Ah oui, on va ouvrir ça en mode T&I. Oh là là, c'est trop joli. Une robe blanche avec des fleurs. Je crois que c'est moi qui l'avais choisi celle-là. Tadam! Ça c'est un article hyper simple, hein, mais que je mettrai. C'est le genre de truc en été, tu sais pas quoi mettre. Bim, petite robe, elle est mignonnette, hein. Rien d'exceptionnel, mais j'aime bien. À toi Nini, montre-nous cette magnifique robe que tu as. Waouh! T'es trop belle. Merci. T'aimes bien? Ouais, j'adore. Allez, prochain article. J'ai envie de tenter ce truc à franges vertes. Je sais plus qu'est-ce que c'est. Alors moi, deux robes. Deux petites robes simples, basiques comme ça. Mais essayez elle. T'essayes la rosa? Ouais. C'est une robe... Non franchement là les filles, ça faisait longtemps que je m'étais pas acheté un truc à franges. Ok. Et sur Asos là, il y en avait plein. J'étais en mode ok Missou. Respire un grand coup. Prends un truc à franges. Et j'ai pris ça, cette robe. J'ai trouvé verte comme ça, hyper originale. Asymétrique. Et pim pim pim. J'adore. Très simple hein, mais très jolie. Mais moi j'adore, je suis trop bien dedans. Ouais, franchement, ouais. Sérieux? Ouais, elle pue. Ok, bah franchement, je suis extrêmement déçue puisque c'est transparent. Elle pue, c'est transparent. C'est dommage parce que franchement, je l'aurais trop kiffé. Tu me verrais pas danser avec les stars là? Ouais. Allez, prochain article. Alors, j'avais pris un ensemble. Alors, je sais pas aussi ce qui m'est passé par la tête, mais je sais pas. Je le trouvais super joli. Je vais le mettre direct parce que je peux pas rester comme ça. Alors, les jeans. Je vais l'essayer avec les t-shirts qu'on a déballés il y a pas longtemps.
celui-là, je vais aller me changer. C'est moche. Elle vient de me dire, c'est moche. Il est canon cet ensemble, j'aime trop. Après, il y a un gros quand même souci. C'est que c'est extrêmement court au niveau du derrière. Et moi je suis pas du tout à l'aise même si je trouve ça très beau. La douceur, c'est une matière hyper agréable. Merci. Ça y est, t'as essayé? Oui, t'es un peu grand, non, le pantalon? Trop grand, vraiment trop. Ah ouais. Après le t-shirt va bien. Hein? Ouais. Et moi je suis dégoûtée, j'aimais bien le pantalon mais il me va trop grand. Il tira plus tard. Allez, on continue, t'as... Moi je vais ouvrir ça, je me suis fait un petit plaisir. Enfin... un gros plaisir. Je me suis pris un ensemble Puma de sport. Vous savez qu'en ce moment je suis à fond dans le sport. Et j'avais envie de me prendre un joli petit ensemble Puma. Donc on a la brassière. Ah oui, j'avais pris deux t-shirts Nike. Et non, un t-shirt Nike. Et j'ai pris ça. Nike. Bon, je vais... Oh, je me suis faite complètement avoir. C'est un maillot de bain ou je rêve? Cette texture... Bon, je vais l'essayer quand même. Mais là, je suis déçue. Hein. Vu le prix en plus, je m'attendais pas à ça. C'est parti. Tu vois, pantalon trop grand. Ah, t'as gardé le pantalon, mais le t-shirt, ouais. Il est joli. Ouais, il est trop beau. Nike. Écoute, je suis tellement déçue. J'aime le quand même la brassière, le haut. C'est pas de la même couleur, j'ai l'impression. Il y a des cordons à l'intérieur, mais même si je serre, c'est trop grand. Ouais, vous avez vu, c'est pas la même couleur. Mais ouais, c'est pas la même couleur. C'est un scandale. Bon, je vais quand même garder la brassière. Elle est belle, la brassière. Tu vois, comme petit short and jean ou quoi, ça peut le faire. Ouais, moi, je préfère Nike que Puma, parce que Puma, il court trop vite que Nike et ses puces. Ouais. Allez, article suivant. Il te reste combien d'articles, toi? Reste encore plein, hein. Ah, c'est bon, ça. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? La la la, il aura, on me dirait. Ah non, c'est une combi, s'il te plaît. Eh, mais ça, franchement, j'avais jamais vu ça. J'ai kiffé l'idée. Il y a une short là. Oh, regardez ma robe, j'ai trop belle. Elle est trop belle. C'est pas une robe ça. C'est une combi short. Ah, oui. Oh, je la mettrai tous les jours celle-là. Mais ça, j'ai... Oh, je vais enlever ce pantalon. J'aime trop. Tu peux mettre, si tu veux, une ceinture pour un style, tu vois, un peu plus classe. Oh, j'arrive, j'ai une combinaison. Waouh, trop belle. Ouais. Okay. Je suis fan. Et toi, t'aimes bien pour voir le dos? J'adore. Oh, le dos! Très bon achat, ça. Mais tu vois, moi aussi, je suis contente, là. Suivant! Au moins, ça a l'air d'être un petit truc. Je sais pas, qu'est-ce que c'est? Oh, punaise! Hein. J'ai repris exactement la même robe que la fleurie, mais en noir. Hein. Mon short est très moche. Hein? J'aime pas du tout. C'est pas vrai. Si. Pourquoi t'aimes pas? C'est simple, ça va bien, ça. Hein? J'ai pas de haut à mettre avec. Bah, du coup, la robe noire, je l'essaye pas, hein, malheureusement. Ah! Mais il y avait cette jupe, pourquoi j'ai pas essayé? Ah, j'ai trouvé un t-shirt. Ah, c'est un petit haut. Super joli. Bah écoute, ça ira absolument pas avec cette jupe. Mais je vais les essayer ensemble, voir. Oh, trop joli. Bah, tu l'essayes avec ton short? Tu verras que ça ira bien. Avec le short, ça va bien? Ouais, je vais faire un nœud. Tutoriel pour nœud. Déjà, vous faites un nœud normal. Vous passez, vous faites comme si vous faites un petit nœud, voilà. Vous prenez une blouque, c'est ma façon à moi. Une autre blouque, les entourez. Vous trouvez le petit trou. Si vous voulez faire un double nœud, faites ça. Et vous le rentrez dans la blouque. Et ça vous fait un double nœud. Voici. Bravo. Merci. Bravo. Merci. Bon, alors là, quel look incroyable. Je suis un petit peu déçue, je sais pas. Si, quand même, elle est jolie, je vais la garder. Elle taille bien. Mais la fente, tu vois, pour moi, elle est pas assez haute, elle est trop en bas. Et le haut, je suis archi fan. Moi, j'aime bien quand même, j'aime bien. Qu'est-ce que t'aimes bien? Le haut. T'aimes pas le bas? Non, j'aime pas. Je pense que ça se met comme ça. Regardez comme c'est beau. C'est joli. Par contre, j'ai galéré à y rentrer. Hein. Prochain article. Bah écoutez, attends, il te reste encore un truc? Ouais. Moi, ça y est, à sauce, c'est fini. Bah attends, du coup, on va ouvrir Bershka. Moi, c'est une jean blanc, je vais garder avec le t-shirt. On va ouvrir Bershka parce que ça c'est cool, ils font certains articles pour 10-12 ans. Du coup j'ai pris pour elle, bon il n'y avait plus rien en stock donc je crois que j'ai pris deux trucs et je me suis pris pareil pour moi. Oh donc, il est trop beau le short blanc. Ah ouais, montre. C'est moi qui l'ai choisi. Super joli hein. Oh, super look. J'adore ce look. T'es trop belle ma chérie. Ah j'ai oublié. Coucou Angel. Comme tu m'avais dit que je te passe un petit coucou en vidéo, eh ben je le fais. Oh là là bébé, regarde. Je me suis prise la même pour moi j'espère. C'est du 10-12 ans, ça risque d'être un peu gras non quand même? Ah ben, je vous ai pris le même t-shirt. Ah je me suis pris pareil Nini. Oh trop cool. Allez, toujours sur la redoute, on va essayer une robe rouge avec des fleurs. Petite robe rouge. La 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 la. Ok, ben moi écoutez, j'ai pris, non mais rien de ce que j'ai pris. Je vois pas une boue, mais... On va tester celle-là, franchement,
J'ai l'impression que si elle taille bien, elle va être canon cette robe. Hein. Le petit chapeau rouge. T'es trop belle, ça va Merci. Trop bien. Je trouve trop flash. Ah ben c'est vrai que ça c'est vraiment le genre de robe que je vais garder, que je ne vais sûrement pas mettre. Mais je sais pas pourquoi, je la trouve canon. Je l'aime vraiment beaucoup. La coupe avec les chaussettes, c'est parfait. Ah pour l'été et tout, franchement, elle envoie cette robe quand même. Moi je vais continuer dans les couleurs, hein, je préviens. Ok, ben moi je vais passer... Attends, ça y est. Oui, j'ai fini. Tu veux essayer celle-là? Oui. Bon ben vas-y, on va essayer la même. On s'habille vite fait, bien fait. Oui. Allez, 1, 2, 3. Oh, ah toi t'es un peu grande au niveau des tétous. C'est ouais. Dommage, regarde comme ça va bien. Oh j'aime trop le look Murphy, comme ça je suis fan. Ouais. Vas-y si tu veux on essaye les t-shirts. Je crois que j'ai pris un jean, yes. Yes baby. J'ai pris un jean qui, oh là là il est canon. Un jean mom, comme ça. Je vais mourir de chaud. Je vais l'essayer avec le... Je vais prendre le... Je vais reprendre le short. On reprend le short comme ça. Et du coup après t'as plus rien à essayer. Ouais. Je suis archi fan de ce look. Et franchement un sort comme ça, on en jette. La mère et la fille. Super joli ce petit t-shirt. Je sais même pas ce qu'il y a écrit dessus. California. California. Ouais. Et le t-shirt et tout, il va super bien quoi. Franchement, trop contente de l'avoir pris ce t-shirt. Moi, j'ai fini. Et toi, t'as fini. Alors, le jean est très joli. Bon, par contre, il taille grand ici, mais tant pis. Même s'il taille grand, honnêtement, il est trop beau. C'est vraiment le jean mom par excellence. Et je trouve qu'avec le haut, ça va super bien. Ensuite, bah t'as Nini, qu'est-ce que j'essaye? J'ai envie d'essayer cette robe, moi, là. Ouais, vas-y. Ah, ou attends. Avant, non, je me suis pris une veste. Elle est immense. C'est un style loose. Et j'ai trop kiffé, en fait, la couleur. Ouais, stylée, la veste. Oh, yo, yo, mais elle est immense. C'est bon, tu t'en vas? Ça y est, tu nous laisses? Tiens. Tu reviens, hein? J'aime trop en fait ces contrastes de rose. Je trouve ça super joli. Oh si quand même je vais la garder. Moi bon, en fait j'aime bien. Je l'enlève parce que j'ai un peu plus de chaud, je vous jure. Tac, ça je garde. Je me suis prise aussi, bah, on va l'essayer maintenant. Hein. Une veste en jean. Pareil, assez loose. Parce que la seule que j'ai, elle est hyper collante. Oh là là, elle est canon. Canonissime cette veste, j'aime trop. Ça je garde. Vas-y allez, depuis le temps que je veux l'essayer cette robe. Là franchement je sais pas ce que j'ai eu quand même. Quoique tu me diras, pareil que l'autre, hein, ça peut carrément le faire bien bronzé là. Et là elle a des petits détails, tu vois, un petit peu drapé. Ça peut faire autre joli. Oh là là, la forme. Franchement, honnêtement, je suis un peu deg qu'elle soit de cette couleur. Parce que la forme est magnifique. Ça fait vraiment esprit corset ici, hein. Ça serre bien, j'ai pris taille 36, c'est nickel. Et là ici, se draper comme ça, elle est magnifique cette robe. Est-ce que je la garde ou je la garde pas? Ensuite, j'ai pris une robe zébrée. Je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de zèbre. Et sur la mannequin, elle allait super bien. Je trouve que ça change, hein. Ça peut faire super joli. C'est parti. Oh my gosh! Elle te fait un petit boule qui fait plaisir. Elle est très jolie cette robe. Franchement, j'aime beaucoup. Je pense que je vais la garder. Même c'est sûr. Elle met vraiment en valeur les formes. C'est la, tu vois, la matière. Elle est très collante mais très stretch. Avec la fente et tout, j'aime beaucoup. Elle a des petites sandales noires, ça, tu vois. Ensuite, on va essayer cette petite robe toute mignonne à fleurs noires comme ça. Je la garde. Elle est vraiment très très mignonne. La matière et tout, elle est doublée comme ça, donc pas du tout transparente. Ah, je suis contente. Hein. Bershka, je suis jamais déçue, de toute façon. Hein. Ensuite, nous avons une petite jupe mi-longue comme j'aime. Et on va l'essayer avec un top tout blanc. Et là, il me plaît parce que il a pas l'air du tout transparent. Et ça, c'est bien pour un haut blanc. J'aime trop. J'aime trop la jupe. J'aime trop le haut qui est nickel. Il est bien épais. Il est bien... pas du tout transparent. Pas obligé de mettre de soutif parce qu'il maintient super bien. Bon, après, il n'y a pas beaucoup à maintenir, je vous l'accorde. Mais quand même. Et la jupe... Attends, il faut que j'enlève ces chaussettes. C'est pas comme s'il faisait 30 degrés. Hein. Et la jupe, franchement, elle est canon. Magnifique. J'aime trop. Ça fait un petit peu comme un pario, tu sais, que tu aurais accroché là. Ensuite, j'ai pris cette petite robe blanche. Si elle taille bien, ça fera super joli. Oh là là, j'aime trop. Elle est canon cette robe, magnifique. Par contre, elle colle vachement. Hein. Enfin, pour la mettre, je galère entre la transpiration. Tu sais, ça colle, c'est affreux. Mais elle est trop trop jolie, j'aime trop le bas en fait. Allez, il nous reste une robe longue comme ça, avec trois petits hauts. On va tester cette robe, voir là déjà. Voilà donc cette robe portée, franchement, je la trouve très très belle. Elle fait de l'effet. Portée beaucoup plus que quand tu la vois comme ça. Elle m'arrive au niveau des chevilles, on a une petite fente ici. Là j'ai croisé mais vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que ça fait plus joli, tu vois, de croiser. Et honnêtement,
Je crois que c'est la première fois dans un haul que j'aime autant de choses, autant de robes là. C'est pas possible. Oh, elle est magnifique cette robe. Et du coup, j'ai pris trois petits tops parce que c'est vrai que souvent moi j'ai des shorts et tout comme ça, je sais pas quoi mettre en haut. Du coup, j'ai pris celui-là. On va le tester d'abord parce que c'est mon préféré. Tac, il se met comme ça. Qu'est-ce qu'on met en bas du coup? Ah, bonjour mademoiselle. Tu vas me dire un petit peu comment tu trouves. Qu'est-ce que tu aimes pas de ça? J'aime pas trop. Pourquoi t'aimes pas trop? J'aime pas le rouge. C'est pas rouge ça, c'est rouille. Mais du coup j'allais essayer ce petit top comme ça. Je vais prendre un petit short and jean que j'ai là et on essaye le haut. Je suis un petit peu déçue, ouais. Je m'attendais pas à ce que ça rentre comme ça. Il est joli hein, ce petit haut, mais je sais pas. Je pense que ça irait mieux à des filles plus bronzées. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je trouve que c'est pas une couleur là qui me met en valeur. Pour voir, passons à celui-là, au vert. Oh là là, j'aime trop. Il est canon ce petit haut. Et j'avais pas vu là, mais on a comme des petites pierres ici. Et il est magnifique. Hein. Oh là 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 là. Donc on est dos nu comme ça. Tu peux serrer derrière. La couleur est très jolie. Franchement, j'aime trop la forme, les trucs croisés. Je trouve que le décolleté, il est pas trop. Yes, we're content. Et le dernier article de chez Bershka. Il est tout simple comme ça, bleu. Il a pas l'air foufou. On va voir porter. Ben écoutez, très très mignon ce petit haut. J'adore, j'aime beaucoup. Pareil, pas obligé de mettre un soutif et tout. Franchement, trop mignon. Hein. Et là, tout ce que je vous montre, c'est un solde. Hein. Voilà pour les articles de chez Bershka. Franchement, j'adore, je suis fan. On va passer maintenant à Pull&Bear. Regardez ce que j'ai pris, si c'est pas trop mignon. Une petite pince à cheveux fleurs. En plus, c'est bien parce qu'elle est grosse. Hein. Tu mets comme ça là. Oh, j'aime trop. Je vais la montrer à Emma. Regarde. Ouais, trop chou. T'as vu comme ça fait joli? On en était aux chaussures. Je les ai trouvées super belles et elles ont l'air en plus hyper confort. Gros talon comme ça, avec les petites lanières pour voir. Je vais les tester direct. Oh là là, elles sont confort pour voir. Impeccable. Elles sont très hautes, hein, mais tu le sens pas quoi. T'es super bien dedans. Les lanières, elles serrent pas et tout. Top. Ensuite, ça, oh, petite robe crochet comme ça, elle est trop belle. Vas-y, je la teste de suite celle-là. Voilà la robe portée, ben, je suis pas très fan. Je trouve que, enfin, tu vois, elle te fait une taille vraiment droite. Moi j'aime bien, tu vois, quand c'est cintré quand même, hein, ici. Je sais pas quoi en penser parce qu'après, elle est très jolie. Suivante. Ça, j'adore, hein. Truc hyper confort. Très simple comme ça, c'est vraiment le style que j'aime. Pour voir si elle taille bien maintenant. Très très jolie, bon, courte, hein. J'ai peur qu'au lavage, elle retrécisse, tu vois. Mais on est tellement bien dedans quand il fait chaud, tu vois, que t'as pas mis de te prendre la tête. Hein. Ensuite, on va partir sur ça. Alors, si je me rappelle, c'est une robe. C'est pas une couleur, hein, que je mets habituellement. Mais je sais pas, je l'ai trouvée trop belle. Hein. Le dos comme ça, c'est avec des lacets. Enfin, sur la mannequin, je l'ai vue, j'ai pas hésité un instant. Bim, au panier. J'ai l'impression qu'on voit que mon ventre, hein. J'ai le bas du ventre hyper gonflé quoi. C'est pas le top quand tu mets ce genre de robe. On va essayer de... Stomach vacuum, voilà. Non, ouais, je sais pas, si c'est une belle robe quand même, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Je trouve que ça change cette couleur. Ensuite, nous allons essayer cette robe. Parce que là, elle est hyper simple, fait je vois pas ce qu'elle a une fente. Oui. Oh là là, j'adore. En effet, elle taille super bien. Ici, on peut régler, donc c'est top. La fluidité, même le derrière et tout, franchement, elle est vraiment belle, cette robe. J'ai l'impression que ça fait mille fois que je dis cette phrase. Elle est vraiment belle, cette robe. Ensuite, on a une robe rose. La voilà portée, écoutez, très simple. Hein. Rien d'extraordinaire, mais j'aime bien. J'ai pris un petit haut, vraiment. Ça fait une petite brassière, genre, il est super joli. Mais avant, on va essayer cette combinaison. Et ça, je l'ai prise et j'aime trop. Tu mets ça avec une veste en jean, je trouve ça super joli. Donc, elle est toute simple, noire, effet côtelé. Et heureusement qu'elle est stretch, hein, parce que rien que j'ai mis mon mollet, le machin, ça me serrait déjà au mollet. Elle serre un peu trop, mais j'ai l'impression que ça va, que ça boudine pas quand même. Hein. Non, elle est très bien, hein, on est super bien dedans. Toute simple, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, on dirait que je vais faire de l'aérobic. Hey! Je veux trop tester avec ma petite veste en jean. Non, franchement, j'aime trop. Bon, il manque les accessoires quand même. Par contre, il fait chaud. Bah, du coup, est-ce qu'on l'essaye ça? Vas-y, on va le tester. Je vais juste descendre ça. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? Franchement, j'aime bien. Bon, c'est vrai que c'est à la limite du soutif quand même, je trouve. Hein. Le dos est super joli. Je sais pas si je serais trop à l'aise, hein, de le mettre, hein, tu vois. Bon, quoique, quand même, hein, ça va. Hein. Ouais, j'aime bien, je suis contente. Donc voilà pour cette vidéo finie, Miss Tinguette est quand même venue vous dire au revoir.
Quand même, Stevio, entre mère et fille, alors je suis venue. En fait, c'était surtout un haul entre mère. Hein. Et toi, t'es contente de tes articles hein? Qu'est-ce que c'est que t'as préféré, toi? Ben, mes articles préférés, c'était le short blanc et le t-shirt. Ouais, j'avoue. Et en plus, là, que j'ai le même, c'est dessus. On pourra prendre de trop belles photos. Ouais, hein? J'aime bien le dégoulinant, là. Sur ce, on vous laisse. On vous fait plein à tous énormes. Gros bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.